Voilà, bah écoutez, on est heureux de vous accueillir. Nous, au CAGT, on se félicite de ce beau projet parce que c'est vraiment un véritable succès. Voilà. C'est un projet qui vient, qu'on a mis en place pour lutter contre le décrochage scolaire et qui vient renforcer l'aide aux devoirs que l'on met en place depuis pas mal d'années maintenant. Bonjour à tous. Alors, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous voir tous présents. Et du coup, je tenais à dire que ça a été une très belle aventure avec les enfants parce qu'ils étaient motivés, déterminés et surtout passionnés de venir le samedi matin, sachant que c'est le week-end et qu'ils avaient eu une longue semaine juste avant. Mais ils venaient toujours avec le sourire et ça m'a fait plaisir de voir des enfants qui avaient cette envie, ce goût, ce plaisir à vouloir apprendre des choses. Et les séances se sont très bien passées. Et je garde un très bon souvenir de tout ça. Je remercie également les parents parce que merci à vous. Vous avez été toujours présents avec vos enfants, toujours à l'heure. Quelques petits retards de temps en temps, mais c'était toujours un plaisir de vous accueillir. Honnêtement, je pense que cette expérience est une expérience qui permettra à chacun d'entre nous d'apprendre sur nous-mêmes et de voir aussi la vie autrement malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer dernièrement suite aux conditions sanitaires. Et du coup, je pense que cette expérience pour les enfants et surtout pour nous en tant qu'adultes nous a permis de grandir, de voir la vie autrement et de surtout ne pas perdre espoir pour que tout le monde ait en tête que la réussite est possible pour chacun d'entre nous et que voilà, ça commence dès le jeune âge. Merci. Après Hamid, après Jean-Marc Sonny, qui est le professeur qui, tous les samedis matins, vous a aidé dans ses ateliers d'écriture et de lecture, je voulais à mon tour dire que la mission du CAJT est une très très belle mission. Alors, il y a pour la jeunesse beaucoup de projets qui sont organisés, faits par le CAJT, par le club d'animation des jeunes de Thiers, et notamment celui-là, qui est un projet de plus, et qui prend, je dirais, toute son importance quand on sait la difficulté que nous avons eue ces derniers mois, cette dernière année, en matière d'enseignement scolaire, que des jeunes qui sont proposés par des directeurs, parce qu'ils ont été repérés, qu'ils ont besoin d'un petit coup de main, que ces jeunes puissent, le samedi matin, c'est un effort qu'ils font, bien sûr, puissent venir pour être dans ce club d'écriture et de lecture, c'est une belle réussite. Moi, je voulais remercier ici M. Sonny, le professeur, remercier évidemment Soraya et Hamid, et remercier la présidente également du CAJT. C'est une belle mission qui, vous le savez, est épaulée par la ville. Nous sommes venus d'ailleurs nombreux, c'est dire l'importance que nous accordons à ce travail qui est fait, à cette mission qui est faite par le CAJT, à côté de moi, Cassia Madar, Dany Becher, Chantal Germain, Nicolas Trisna, qui est conseiller départemental, vous le savez. C'est une très belle mission que d'épauler des jeunes, de les amener à la connaissance et de leur donner le goût de lecture, le goût de l'écriture, l'envie d'apprendre, parce que c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Et donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que tous ces jeunes puissent demain trouver les voies qui seront les leurs pour réussir. Tout le monde peut réussir dans la vie, c'est une question de volonté. Et aussi de parents qui peuvent épauler, qui peuvent accompagner, mais pas que. Il y a aussi autour de cela les membres de l'association qui travaillent. Il y a les deux animatrices de la ludothèque et puis deux bénévoles aussi qui participent à cette belle mission autour de Jean-Marc Sonny. Donc merci à vous, Jean-Marc, merci beaucoup parce que c'est vraiment une très très belle mission. Cette mission est également épaulée dans le cadre de la politique de la ville, par l'agence cohésion des territoires, cohésion sociale, par le département du Val-de-Marne, dont le représentant est ici, Nicolas, mais aussi par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et également par 3F. C'est-à-dire que vous voyez, il y a un certain nombre d'organismes, de partenaires qui se réunissent pour donner une chance et permettre à ces enfants, à vos enfants, d'être demain de jeunes qui font beaucoup de réussite dans leur carrière, dans tous les cas dans leur poursuite de leur scolarité pour avoir une carrière un jour professionnelle qui sera à la hauteur de leurs ambitions. Donc merci à vous, félicitations aux jeunes, bravo aux parents qui sont là et qui accompagnent tous ces jeunes et surtout belle mission du CAJT. Je le dis, je le redis, mais on a la chance dans la vie d'avoir le CAJT qui depuis de nombreuses années, qui se déploie dans beaucoup de directions et donc, et d'ailleurs Hamid vient d'être décoré il n'y a pas très longtemps, vous le savez, de l'Ordre national du mérite.
Donc c'est une décoration. Amplement méritée parce que bon, il se déploie, vous le savez, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans nos quartiers, surtout dans le quartier des Grands Champs pour la réussite de chacun. Donc bravo à tous et merci à vous tous de contribuer à cette mission extraordinaire pour les jeunes de ce quartier. Merci à tous. Bonjour à tous. Je voulais également vous remercier d'avoir été fidèles à ce cours de soutien et aux enfants d'avoir été tous motivés tous les samedis matin pour venir travailler, apprendre. Et je vous souhaite à tous une bonne réussite à l'école et dans tout. On est heureux d'être là aujourd'hui pour vous remercier tous. Voilà. Merci. Vous voyez, on est complété par Sylvie Donna, qui est conseillère municipale, présidente de l'Office municipal des sports, et qui vient aussi, et qui participe également à cette belle aventure du CHJT. Donc, merci à toi aussi, Sylvie. Et toi, et bon anniversaire, Sylvie. Écoutez, on va commencer pour la remise du diplôme faite par Monsieur le maire. Je m'appelle Axel. Merci pour les chocolats du diplôme. Alors du coup, ça y est, on y est. C'est la dernière séance, la dernière de cette première édition du club de lecture et d'écriture. Honnêtement, cette expérience a été une très belle expérience avec les enfants, les parents, tous les partenaires qui sont venus. Il y avait Le Parisien, France 3 et encore plein d'autres. Et je pense que cette expérience-là m'a beaucoup appris. Et les enfants aussi ont beaucoup appris de ces samedis matins, toutes les semaines avec moi et avec mes partenaires, mes bénévoles, les stagiaires, aussi les animatrices de la ludothèque qui étaient présentes. Donc du coup, je pense que cette expérience-là apporte beaucoup à tout le monde. Un bel exemple de réussite qui prouve que même en période difficile, on peut apporter beaucoup d'aide aux élèves, aux enfants, aux adultes, à tout le monde en gros. Et puis voilà, je suis très content d'avoir participé à ce projet et j'espère qu'il continuera encore très longtemps. Alors moi, je suis venue accompagner mon amie, c'est la maman de Lilia, et je trouve que l'ambiance est vraiment très canon, vraiment, il n'y a rien à dire. Les enfants ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. Moi, je vois, par rapport à le cas de Lilia, tout du moins, entre le début de l'année et la fin de l'année, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une super proposition du CHJT. Voilà. Donc avec le CHJT, donc on a décidé de faire cette toile, enfin avec l'artiste peintre Lydia Bento. Donc l'olivier, parce que l'olivier ça symbolise la solidarité, la force, l'union, la fraternité. Et donc chaque invité, les bénévoles, ils vont ancrer leur index et apposer leur empreinte sur l'olivier.